le Coran le dit, entre le savant et le croyant, il y a l'espace de la création. Il faut devenir savant. Alors, savant, ça vient de quelle racine, selon vous? C'est un gérondif, c'est-à-dire quelqu'un qui possède toujours ce qu'il fait. C'est le savoir. Mais le savoir, ça n'a rien à voir avec l'alchimie. Le savoir, c'est ce qu'engrangent les gens du jour, les savants du jour. C'est ça. Les alchimistes, eux, connaissent, c'est-à-dire ils naissent avec. Et ils naissent toujours avec le même processus qui est la naissance même de l'univers. Ils proposent des choses opposables et ils en tirent le meilleur de chaque. La particularité de la pierre, comme il est dit d'ailleurs dans tous les écrits anciens, les parents ne donnent jamais des enfants qui leur ressemblent. C'est vrai pour deux raisons. L'une qui est humaine, parce qu'en plus de l'hérédité physique à proprement parler, il y a l'hérédité céleste.